Terreur à Magicwell. C'était une fois, durant la nuit, un magicien et un jongleur qui montent le chapiteau dans la ville de Magicville pour un spectacle. Tout à coup, un lion s'évade de sa case mal fermée. Le lion est fâché. Puisque tout est noir, le lion court partout dans la ville de Magicville et il fait peur aux villageois. Il faut réussir à l'arrêter et le remettre en cage pour le spectacle de demain. Les artistes du cirque partent à sa recherche. Une funambule marche sur un fil de téléphone et essaye de sauter sur le lion. Mais elle glisse et tombe du lion. Une jongleuse arrive et jongle avec des sticks pour que le lion s'approche pour les manger. Mais le lion est végétarien, alors il ne s'approche pas. Un clown essaie de faire rire le lion par qu'il arrête de courir, mais le clown n'est pas très drôle. Le magicien fait apparaître un tigre pour combattre le lion, mais le tigre est fatigué et il s'endort. Le magicien fait apparaître un zèbre pour courser contre le lion et le ramener à sa cage, mais le zèbre ne court pas assez vite. Le magicien fait apparaître un chien pour qu'il devienne ami avec le lion, mais le chien a peur du grand lion. Le magicien fait apparaître un autre lion pour aussi essayer de devenir ami, mais il ne veut pas être son ami. Un magicien fait apparaître un gaz-pige au milieu de la ville de Magicville pour attraper le lion. Le magicien fait apparaître un dompteur de lion pour attraper le lion. Il lui parle et lui demande de revenir dans sa cage. Il donne un gros coup de fouet dans les airs, puis pour lui faire peur, le lion sursaute et il se calme. Alors le dompteur et le magicien s'approchent du lion. Le clown revient et il fait des grimaces au lion. Le clown trouve cela très drôle. Tous les amis réussissent à remettre le lion dans sa cage parce que le lion a beaucoup trop rigolé et il s'est endormi. Finalement, les artistes du cirque tirent la cage jusqu'au chapiteau pendant que le lion rentre très fort dans sa cage. Il est temps d'aller se coucher. Le soleil va bientôt se lever.